Question-réponse, question-réponse avec euh, le frère Céleste. Frère Céleste, bonjour. Bonjour. Comment vous allez Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Alors, avec vous, nous allons parler du Coran. Et beaucoup de gens sur nos réseaux sociaux euh, m'ont demandé pourquoi le frère Céleste. Qui n'est pas musulman voudrait bien parler du Coran. Euh, merci pour la parole, Monsieur Diaz. Euh, le Coran avant est un livre, euh, bien que religieux, mais c'est aussi un livre culturel. Cela veut dire qu'il peut faire objet d'étude par tout le monde, que ce soit chrétien ou païen ou qui que ce soit. En tout cas, ce n'est pas un livre, sauf à ma connaissance qui est bien que confessionnel pour les musulmans, mais c'est un livre qui fait objet d'études islamologique, scientifique. donc je revient à poser aussi la question aux historiens pourquoi vous étudiez le Coran sans ce que vous n'êtes pas euh, musulman. Le Coran est un livre historique, donc c'est normal qu'il soit l'objet d'une étude quelconque. D'accord. Alors, on rappelle que le thème, c'est le Coran. Est-ce une véritable révélation venant d'un Dieu omniscient Oui. Pourquoi cette interrogation d'abord Cette interrogation est simplement les, le résultat de la découverte euh, de la recherche euh, historique sur les différentes études apportées sur, sur le Coran. Et nous allons répondre à, à cette question-là en deux dimensions. Pourquoi nous posons le, la question Une révélation, parce que par la méthode historico-critique, qui est en fait une méthode qui a pour objet euh, l'étude, euh, le contexte, qui a pour objet d'étudier le contexte historique et les conditions de rédaction des textes anciens, les textes religieux y compris aussi, nous trouvons des réponses qui mettent à nu, qui mettent à terre. Euh, le caractère révélationnel, révélationnel excusez-moi, donné par l'islam du Coran. On écoute donc vos, vos argumentations dans ce, ce sens-là. Oui. Et par la suite, nous allons remettre l'omniscience de ce Allah que le musulman nous présente être l'auteur du Coran, par le Coran lui-même. Parce qu'aujourd'hui, avec l'évolution du monde, nous avons un certain nombre de connaissances qui font en ce que lorsque nous lisons des affirmations qui sont attribuées à Allah. Euh, cela se révèle être entre autres que des erreurs aussi flagrantes, difficiles pour les musulmans, mais sauf que la, la vérité est telle que ce sont des erreurs qui permettent à ce qu'on remette en cause l'omniscience d'Allah. D'accord. Donc vous avez parlé donc, euh, le premier temps, consistera à pouvoir démontrer par des preuves matérielles que le Coran n'est pas une euh, révélation. révélation. On vous oui. euh, comme je vous l'ai dit, avec la méthode historico-critique, qui est une méthode qui a permis de faire l'étude euh, des circonstances dans lesquelles le Coran a été élaboré. Euh, cette méthode a permis dans l'histoire de comprendre que, euh, en fait, le Coran est un livre qui tient ses sources des euh, qui tient source des des écrits apocryphes pseudo-bibliques, notamment les apocryphes, et des études euh, des des légendes tamoudiques, qui sont les 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 Tamuts, en fait, sont des commentaires des textes juifs qui datent autour du 2e siècle, en commençant avec le tamoul de Jérusalem, et euh, du 5e euh, siècle, le tamoul de Babylonien. Entre autres, les Tamuts sont des commentaires des rabbins juifs autour des textes canoniques, à savoir les, la Pentateuque. Or, lorsque nous lisons le, le, le Coran pour tous les musulmans, se présente comme une révélation. Allah qui est le dieu musulman qui l'a donné à, à Mahomet qui est censé être un illettré euh, on trouve beaucoup d'histoires, le, premièrement le Coran se présente comme une continuité, notamment dans la surah 3, le verset 3, se présente comme une continuité de la Torah euh, ou bien disons de la Bible or lorsqu'on lit le Coran, on se rend compte les histoires qui figurent des personnages bibliques sont différents des histoires bibliques D'où euh, cette contradiction, ça dit peut-être pas contradiction. Euh, cet élément a poussé aux chercheurs d'effectuer, en fait, de comprendre d'où venaient ces, euh, ces histoires qui ne sont ni qui ne sont pas trouvées dans la Bible, pourtant le Coran se présente comme être le continuateur de la Bible. Près de plus factuel, je vais prendre par exemple euh, l'histoire d'Iblis, qui est trouvé dans le Coran, dans la Sourate 2, eh, 2, la Sourate 7, 15, 20 et 38. La, le mythe de la prosternation d'Iblis. Le Coran dit qu'au euh, ciel, lorsque Dieu a créé l'homme, il a demandé à tous les anges de se prosterner devant Adam. Mais les anges, les, les, tous les anges avaient fait excepté, excepté euh, Iblis qui est Satan. Nous pouvons le lire. Dans la Sourate 18, le verset 50, et lorsque nous dîmes aux anges, Prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Cette histoire qui se présente pour les musulmans euh, l'Onda euh, comme une révélation en fin de compte, euh, par la richesse historique, on se rend compte que ce n'est pas une révélation, parce que la même histoire est écrite des siècles bien avant. C'est une histoire, une légende, en fait. C'est un mythe protologique, c'est-à-dire un mythe qui a pour but d'expliquer la création, l'origine du mal. Et c'est un mythe qui est juif, qui date du 1er siècle au 3e siècle, précisément dans le livre d'Adam et, et euh, le livre la vie d'Adam et Eve. Et nous pouvons lire dans précisément le livre d'anoëve le chapitre 14 le verset 1 à 3 et michel vient et appela tous les anges en disant adorez l'image de dieu comme le seigneur dieu l'a ordonné et michel lui-même adora son, en premier puis il m'appela et dit adore l'image de dieu et parce que michel me me pressait d'adorer je lui dis ceci pourquoi me, pres me presses-tu je n'adorais un être inférieur et plus jeune que moi. Je suis son aîné dans la création. J'étais déjà créé avant qu'il ne soit créé. C'est à lui de m'adorer. Voilà comme vous pouvez le remarquer. Dans le Coran, euh, la tradition islamique met en avant que c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui demande aux anges de. Bien que le texte en tant que tel, il est neutre, il ne précise pas que c'est Dieu qui parle, mais c'est la tradition islamique qui fixe que c'est Dieu qui parle. Et il dit que, que Dieu demande aux anges d'adorer Adam et Iblis se refuse. Or, lorsque nous lisons dans le livre d'Adam et Ève, qui est un texte antérieur au Coran, on se rend compte que c'est la même histoire, mais sauf que là, c'est Michel qui est mis en avant. Et nous signalons que cette histoire est un mythe. D'accord. Alors, si on vous comprend bien, le Coran n'est pas une révélation de Dieu, c'est plutôt un recueil d'histoire, de mythes, de certains documents. Euh, c'est bien cela. J'essaie de parler avec des, 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 des éléments oui. textuels qui, qui... En fait, ce, ce, ce à que vous dites, cela. en fait, c'est ça. Alors, vous vous êtes basé, dans votre recherche historique, sur quel document, sur quel support, quelle la démarche que vous avez menée Bien. Je peux citer, par exemple, le tout dernier, vous savez, premièrement, euh, ces choses que nous parlons pour le grand malheur du grand public sont plus connues du de milieu chercheur. Okay. Si bien que quand on en parle, ça paraît un peu nouveau pour tout le monde. Mais dans les milieux chercheurs, ce sont des choses qui sont connues. Donc les chercheurs aussi vous suivez. Oui. donc, je, je dis des, des chercheurs, <laughs> notamment comme par exemple les islamologues. D'accord. Oui, les, les islamologues. Donc, pour dire que euh, mes recherches sont basées sur plusieurs éléments, livres que je lis. Je peux, je peux citer plus récemment le courant des historiens. Qui est Coran livre, des historiens, oui, qui est sorti en 2020, écrit par un collectif des, des, des islamologues, ah. des chercheurs, en tout cas, euh, autour de, de, de l'islam. Vous avez aussi eu à, à discuter, à échanger avec, oui, euh, oui, oui, avec, exemple, avec les musulmans Oui, les musulmans, parfois, quand on en parle avec les musulmans, tout de suite, c'est un régime, parce que pour eux, tout d'abord, ils sont surpris de voir autant de similitudes par rapport à ce qu'on leur dit, parce que pour eux, les, les histoires qui sont écrites dans le Coran, sont révélés par Allah, ça n'a pas une origine humaine. Or, dans les faits, on se rend compte que en fait, ces histoires sont en fait des réécritures. Et en fait, le problème, c'est parce qu'on ne connaît pas l'histoire. Le Coran vient au sixième siècle. Et au sixième siècle, il y a un phénomène qui est courant. Notamment, la notion de la propriété intellectuelle n'existe pas. Le, la notion du plagiat, ou bien euh, le voie de propriété intellectuelle n'existe pas. Il était recourant dans, le, dans ce siècle-là qu'une histoire qui a eu un écho dans une communauté religieuse quelconque soit empruntée par une autre communauté et réécrite pour communiquer une, euh, un message. Mais ce ne sont pas en aucun cas des histoires qui, vraies qui se sont passées. Et je peux, de, de, pour être factuel, je peux par exemple citer aussi euh, dans la biographie de, de Mohamed, la célèbre, la fameuse histoire de l'araignée salvatrice. Que Mahomet ayant été chassé, il paraît, de la Mecque, s'était caché dans une grotte. Et dans cette grotte, il y a eu une araignée qui est venue tisser une toile. Par la suite, ces détracteurs étaient venus arriver devant la grotte, ont remarqué la, euh, la toile. Ils se sont dit que Mahomet ne pouvait pas y être dedans. Ça, c'est l'histoire qui est écrite dans la biographie officielle de, euh, de Muhammad. Et pour tous les musulmans, cette histoire-là est vraie. Or, tout simplement, cette histoire-là n'est autre, autre qu'une légende qui est premièrement juive, qui est trouvée dans les sources tamoudiennes. Maintenant, à sauf qu'à la différence, c'est attribué, c'est David qui vit cette expérience-là. Par la suite, qu'est-ce qui se passe Au troisième siècle, cette histoire-là, ayant eu écho, un succès, va être empruntée par les chrétiens. Et... On raconte, on attribue cette histoire-là cette fois-ci, de la Reine Salvatrice, à Félix de Nol, et ça, on peut trouver ça dans la biographie universelle moderne, ancienne et moderne, précisément euh, dans le tome, 4, tome 14 et la page 271. Donc, on remarque au sixième siècle qu'en fait, il y a le phénomène d'emprunt qui est là, des On prend une histoire qui a eu quoi part, ce un réécrit, et on donne, disons, on le fait comprendre que c'est la nôtre. Et le courant vient au monde dans ce climat. Donc, si bien que voilà pourquoi on retrouve dans le Coran beaucoup des histoires, en fait, qui sont d'origine juive, qui sont d'origine des apocryphes. Donc, en quelque sorte, on peut dire que le Coran qui se présente comme la continuité des écrits bibliques, mais en fait, ce ne sont pas des écrits canoniques, mais ce sont des écrits parabibliques. Donc, nous pouvons aussi, pour être euh, euh, plus factuel encore, on peut prendre par exemple l'histoire du premier miracle de Jésus-Christ dans le Coran. Le premier miracle de Jésus-Christ dans le Coran, qui se trouve dans la Sourate 5, le verset 51, au berceau, tu parlais aux gens tout comme en, en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau, par ma permission, puis tu soufflais des de dons, alors par ma permission, elle devenait oiseau. Le Coran, la tradition islamique présente que voilà cette histoire est une révélation. Original de Mahomet, que le premier miracle de Jésus-Christ, c'est qu'il quand il était au berceau, il a pris euh, de, de la boue, euh, de, de l'argile plutôt, et il a façonné des oiseaux, puis il a soufflé, c'est devenu des oiseaux. Or, cette histoire-là se retrouve, en fait, est un emprunt de l'évangile de l'enfance, qui est un apocryphe du deuxième siècle. Et puis, précisément dans le chapitre 2, nous pouvons lire que l'enfant Jésus, étant âgé de 5 ans, Jouait sur le bord d'une rivière, et il recueillit dans de petites fosses les eaux qui coulaient, et aussitôt elles devinrent pures, et elle obéissait à sa voix. Ayant fait de la boue, ils s'en servis pour façonner douze oiseaux. Et c'était un jour de sabbat. D'accord. Vous mettez aussi donc, euh, dans un deuxième temps, euh, vous l'avez dit, en euh, cause les auteurs des textes coraniques, mais avant qu'on en arrive là. Puisque vous êtes chercheur dans ce domaine, euh, j'ai deux questions posées sur Mahomet. Vous allez répondre rapidement. Première question est-ce qu'il y a une différence entre Ma, Mahomet et Mohammed Première question. Bon, Mahomet n'est qu'une traduction française de Mohammed. Euh, généralement, les musulmans n'aiment pas quand on dit Mahomet, pourquoi Oui. En fait, c'est une question de sensibilité. Ce pas tous les musulmans, il y a des musulmans. même quand ils parlent en français, ils, ils prononcent Mahomet. c'est juste une question de sensibilité. Pour les musulmans, ils disent que voilà, eh, Mohammed, ce n'est pas Mohamed, parce qu'il faut dire Mohamed, c'est Mohamed, c'est l'arabe, ça doit rester comme ça. Alors, alors euh, Mahomet ou Mohamed, le prophète, qui était-il réellement, en deux mots Il n'y a pas de réponse à cette question. C'est simple pourquoi Parce que, vous savez, il y a le Mahomet historique et il y a le Mahomet islamique. Le Mahomet islamique a été, je vais dire, je me permets de dire, façonné un siècle plus tard. On peut prendre par exemple l'histoire de d'Ibn Ishaq, la biographie. En fait, ce n'est pas concrètement une biographie parce que, euh, pour tous les musulmans, ils disent que c'est la biographie de Mahomet qui a été écrite par Ibn Ishaq. Mais ce n'est pas une, une biographie parce que le calife al-Mahmoud, lorsqu'il il convoque Ibn Ishaq, il lui demande en fait d'écrire un livre qui parle de l'histoire de l'humanité destiné ce pour son enfant. Et dans cette histoire là, Mahomet est un personnage secondaire. C'est la première fois que l'histoire de Mahomet est mise sur écrit. Et il y a le par la suite Ibn Isham, quelques années plus tard, va reprendre les écrits de Ibn Ishaq tout en précisant dans son préface que il n'a pas pris tous les éléments que Ibn Ishaq avait précisés. Maintenant, lorsqu'on parle de on rencontre on parle de Mahomet, ça c'est le Mahomet islamique, le Mahomet historique. C'est-à-dire, c'est le Mahomet que les contemporains, c'est-à-dire les contemporains chrétiens juifs, parlent de ce Mahomet, mais plus comme un chef de guerre, un pilleur, et non, il ne le présente pas comme celui que le Mahomet islamique, un siècle plus tard, dans, vient tous les, présenter. dans tous les cas, il a quand même existé. Oui, bien sûr. Il y a des témoignages et vous, et vous vous considérez lequel Le Mahomet historique, le pilleur, comme vous dites, ou le Mahomet islamique bon. Euh, je, vais donner un, je vais donner un concret. Imaginez une histoire qui se passe en 1998. Et ça se passe au Congo. Et là, que nous, les Congolais, nous n'écrivons pas cette histoire-là. Mais sauf que les Gabonais et les Quinois, ayant en contact avec nous, écrivent cette histoire-là. Ça se passe en 1998. On va dire, un siècle plus tard, les Congolais viennent écrire sur cette histoire-là. Dites-nous, entre les contemporains et les, les, et entre les contemporains, de 1428, et ceux qui écrivent 120 ans plus tard, ou bien deux siècles plus tard, qui paraît plus crédible Ah, ça, je n'en sais rien. Non mais, non, mais question de mémoire. Vous n'allez pas me dire que les gens ont gardé pendant 120 ans l'histoire de, de, de Mahomet. C'est ça la réalité avec les, les, les textes islamiques. Le Mahomet islamique est, est mis en scène des siècles plus tard. Et dans ces mêmes sources, on trouve des, 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 des éléments qui posent problème, c'est-à-dire des éléments factuels, c'est-à-dire ce que nous rapporte l'archéologie qui mettent qui, qui met vous, en cause quoi, en fait, euh, Nous allons vers la fin, justement, de, de cet entretien. Vous reprochez quoi aux auteurs du Coran On va dire ça facilement comme ça. Peut-être pas les auteurs, mais ce qu'il faut reprocher, c'est ceux qui viennent après les auteurs, c'est-à-dire ceux qui ont attribué le caractère révélationnel du Coran. Je ne pense pas que lorsque ces gens-là écrivaient ces textes-là au départ, sachant... Parce que le Coran, sauf si je me trompe, pour les musulmans, oui. ça a été écrit de la main du, du prophète Mahomet. Non, non, pas de la main. Vous savez, l'histoire de, 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 de l'islam est évolutive. Pour tout musulman, il croit que euh, dès le départ, tout était fait, euh, les choses étaient déjà fixées. Or, lorsqu'on va avec la recherche historique, il y a des éléments factuels qui montrent même qu'au début, pendant 70 ans, L'Empire arabe évolue, mais on n'entend pas parler de Mahomet. Ce qui est curieux, on trouve leur, leur fameuse formule, la Shahada, incomplet, c'est-à-dire, il n'y a de Dieu que Dieu, il est seul et unique, point. Il n'y a pas de Mahomet et son prophète, mais si c'est 70 ans plus tard, on vient apparaître, il n'y a que de Dieu et Dieu, et Mahomet et son messager. Ça, ce sont des éléments factuels, c'est-à-dire des preuves qui mettent euh, ces éléments. Donc, on comprend que l'histoire de Mahomet s'est construite au fil des années pour prendre la deuxième partie j'avais dit c'est d'Allah je vais aller dans le courant on va prendre la surah 16 de verset 66 la surah 16 de verset 66 nous dit euh, Allah nous dit que le lait, le lait vient du ventre des bestiaux un produit extrait du mélange des excréments et de, du sang Allah nous dit que le lait le lait, que nous le connaissons un liquide blanc euh, opaque vient du ventre des vaches chameau et le lait est le résultat et d'un mélange entre les excréments et le sang. Ça, c'est Allah qui nous dit. en Nous savons que avec le, 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 le monde, nous savons que le lait n'est autre sécrété par les glands de ma mère. Alors, si Allah est aux munitions, comment peut-il dire une telle chose qui est de manière flagrante une erreur Et on peut aussi prendre la sourate 86, le verset 5 à 7, où... Il est écrit que l'homme considère de quoi il a été créé. Il a été créé à partir d'une goutte émise provenant d'entre la colonne vertébrale et le côte. Le Coran dit que les le, spermes viennent des colonnes vertébrales et les côtes. Alors nous savons aujourd'hui avec la science qu'il y a des preuves flagrantes parce qu'Allah a la fâcheuse habitude de parler sans jamais apporter des, 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 des preuves, sans avoir apporté des arguments. Allah c'est qui bah, vraiment, disons, là, j'essaie de parler avec la tradition Oui, historique. Allah, Allah c'est qui Oui, Allah pour les musulmans, c'est Dieu qui parle dans le courant. Donc, c'est Dieu ou bien pour les musulmans, c'est Dieu Pour les musulmans. Parce que, désolé, moi, lorsque je rencontre des similitudes textuelles, sur le point textuel, entre euh, les textes qui sont censés être des révélations et les textes antérieurs à, 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 au courant, il y a de quoi à remettre en cause, à se poser la question, est-ce nous réellement affaire à une révélation ou bien simplement des écritures, des, des emprunts et comment Allah peut-il dire que le sperme provient de colonnes, vertebrales et des côtes Merci beaucoup, frère Céleste. Mais est-ce que si nous amenons un musulman oui. face à vous, vous tiendrez le coup Est-ce que vous êtes bien préparé pour ça <laughs> euh, pour, euh, pour le thème ou bien Sur ce donc, même thème, on, on amène un musulman devant vous. Euh, ce n'est pas un problème. Hein. Je, je pense qu'il euh, s'agit de, 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 de démontrer. Et certainement, le, 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 le musulman aura la lourde mission de venir démontrer que les textes que nous lisons, qui sont antérieurs au Coran, sont postérieurs au Coran, en fin de compte. Puisque tous ces textes que j'ai lus sont datés bien avant, des siècles bien avant que le Coran. Donc, ce, ce musulman aura la lourde mission de démontrer qu'en fait, ces textes-là sont écrits après le Coran. Mais si ce n'est pas le cas, donc... Alors, chers amis musulmans, euh, nos amis de la du Conseil supérieur islamique du Congo, vous avez suivi le frère Céleste Malonga avec des preuves, hein, des preuves historiques, euh, euh, voilà, avec ses recherches et tout ça, il nous a démontré euh, que le Coran n'est pas une révélation de Dieu. Cher ami euh, de la communauté musulmane hamadiyah, Monsieur Saïd Ahmad, qui attaque tous les jours le jour christianisme, voilà, bon, voilà, ça c'est, il est là. Donnez votre numéro de téléphone. Ah, vous pouvez donner votre numéro de téléphone Non, c'est pas... D'accord. Vous avez euh, une adresse mail, quelque chose de genre Oui. Euh, non, une, une adresse Facebook, peux quelque peux chose me, Oui, ils peuvent me contacter au travers de... Euh, on va dire, ma Oui. me contacter à partir de ma, la page Facebook, euh, qui est un groupe où je collabore très souvent, Islam en vérité, ou bien les Apologètes. D'accord. Les Apologètes ou ouais, Islam en vérité. Islam en vérité. Ah, oui, sur vous avez Facebook. une page comme ça. Islam Il y a en des vérité. pages comme ça. Oui, Islam avec où nous publions des des, des choses euh, autour de l'islam. Merci beaucoup. Nous aurons peut-être l'occasion de vous ramener dimanche prochain parce qu'on trouve que c'est assez intéressant. Nous avons des gens qui font des recherches ici dans l'islam. On va les mettre face à vous aussi. Il y a peut-être des musulmans aussi qui viendront. On les mettra face à vous. Frère Céleste, on vous dit merci de nous avoir partagé ce bout de vérité vérité qui est la vôtre, mais vérité que nous, nous vous laissons euh, donner au public. Mais s'il y a une contre-vérité aussi, nous vous ferons revenir pour que celui qui a cette contre-vérité soit face à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.